Soqua, c'est avant tout une fantastique aventure collective, puisque Soqua est née de la volonté farouche de femmes et d'hommes du Pays Basque d'œuvrer concrètement pour leur territoire en y créant de l'emploi. Soqua, c'est un projet de développement en mettant à contribution de l'épargne populaire et locale au service de l'emploi au Pays Basque. Nous sommes leader français et un des leaders européens de la solution d'assises et des sièges de bureaux. Soqua, aujourd'hui, on emploie 260 salariés à Hendaye. On réalise environ 47 millions d'euros de chiffre d'affaires. Soqua, c'est aussi un groupe qui représente près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 650 salariés avec des sociétés très majoritairement implantées en France. Soqua appartient à plus de 1100 actionnaires qui sont essentiellement des particuliers. Et parmi ces actionnaires, on va retrouver les 260 salariés de Soqua qui sont tous actionnaires de leur entreprise et qui collectivement détiennent 30% du capital de leur entreprise. C'est une volonté de départ de l'entreprise, c'est quelque chose de rare, pour ne pas dire unique, qui mérite d'être souligné. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de Soqua, c'est cette construction petit à petit, passer du statut de négociant, commerçant, à devenir un assembleur, puis ensuite en maîtrisant le processus de garnissage, pour la suite devenir un réel industriel, et enfin devenir concepteur et propriétaire finalement de nos produits propres. Alors Soqua, c'est une entreprise emblématique du Pays Basque qui rayonne au niveau national, au niveau international, qui a su croître, qui sait communiquer avec ses partenaires extérieurs, avoir des vraies relations de proximité avec les différentes sociétés avec lesquelles elle peut échanger et avoir des valeurs qui viennent en permanence implémenter son développement et la création de valeurs qu'elle peut générer. Donc nous, c'était primordial dans la relation d'avoir des circuits de décision courts, réactifs et le maximum de décisions prises au niveau local. Parce que c'est ça qui ressemble finalement à ce qu'est Soqua. Et on ne se voyait pas fonctionner avec une entreprise et en l'occurrence un partenaire bancaire avec un centre de décision ailleurs que localement. Alors, il y a plusieurs volets à la relation qu'on a avec Soqua. On a le volet d'accompagnement de notre activité dite traditionnelle, donc du financement, du placement. Et puis il y a toute la dimension qui va autour du groupe Crédit Agricole, toutes les activités qu'on peut avoir autour, qui sont des activités pour lesquelles on va venir porter nos valeurs et des valeurs qui peuvent être communes avec Soqua et qu'on vient partager sur certains projets. Cette dimension locale est une dimension qui est importante pour le Crédit Agricole. On va venir considérer qu'une décision n'est éclairée que par la connaissance du territoire. Et donc c'est cette valeur-là que l'on va venir porter dans ce volet de décision. Ce que l'on essaye de faire et qu'on pense être l'attendu de Soqua est de venir se positionner en tant que partenaire, pas simplement en tant que financeur. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de la proactivité, venir être force de proposition peut-être sur certains sujets, prendre le temps de la réflexion. Ce sont des moments importants pour arriver à apporter des solutions qui vont aller vraiment dans le sens des problématiques qui vont être rencontrées. Ce sont des sujets qui viennent matérialiser le fait que la rencontre des valeurs, pas simplement du fait qu'on se le dise, mais également concrètement dans l'accompagnement du territoire, qui sont des sujets qui sont chers pour Soqua et qui sont très chers pour Crédit Agricole également. Ce qui est important, c'est que Soqua, nous, on souhaite agir concrètement pour le territoire. Alors déjà, ça passe par Soqua, par la bonne santé financière de Soqua, par créer de l'emploi au niveau de Soqua. Mais Soqua, historiquement, a eu un rayonnement, une action au-delà de son métier propre. Donc nous, ce qui nous intéresse, et pour reprendre le slogan du Crédit Agricole, c'est d'être utile et d'agir ici et ensemble. Puisque la chance qu'on a finalement sur ce territoire qu'est le Pays Basque, c'est un tout petit territoire au final. Mais c'est un territoire qui fourmille d'idées, d'initiatives, de personnes très volontaires. Et finalement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que de la même manière que Soqua était une utopie pour moi il y a 50 ans, des utopies d'aujourd'hui deviennent des réalités éclatantes dans 30, 40, 50 ans, comme Soqua a su le faire et comme Soqua a su être accompagné pour pouvoir le faire.